Pendant que tu débutes, tu vas là-bas. Toi, tu m'appelles tout comme ça. Hello, oui. Non, non. Coucou! Laisse-moi en direct. Maman. Comment le plus homme du pays? Moi-même, alors, je peux faire mes retouches. Moi, vous allez confirmer. Vous allez confirmer vous-même. Allez, Jess. Je mets votre Jess follow. Connectez-vous. À partir de ça, maman. Le travail est. Je suis en direct, pardon. Tu ne me m'appelles pas, je suis en direct. Jess follow. Oh, oh, Clément, je suis en live. Jess follow. Non, c'est lequel qui follow même. Il met n'importe quel pendant même temps, ça me donne quoi ici. Coucou, bon appétit à moi. J'ai... Non, 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 oh, voilà. Je t'appelle ici. Tu veux bien que je sois en direct, tu m'appelles comment? Appelle Owona ici. Comme le Dieu de ma pépé a fini, tu vas m'appeler. Moi, je cuisine le bon. Connaissez-vous? Clément Owona, où? Owona. Toi et moi, le mariage est fini. On a dit que c'était fini, non? Non, Owona! Bon appétit à moi, écrivez bon appétit. Oh, bon appétit. J'ai fait le. Je vais vous montrer, regardez. Ah, maman, balade. Oh, on a maintenant dit, bah, au loin. Bon. Je vais essayer de vous montrer, mon gars. Regardez ce qu'on mange avant de décrypter. Je vais vous dire c'est quoi la nuit qu'on mange. Regardez. Ils connaissent ça. Égoussi. Égoussi soupe. Mais j'aime pas, j'aime les strips. Vous voyez, non. La poule fumée. J'aime les bifaras. Les bifaras, j'aime les, tous les poulets. Le poulet fumé, les bifaras, les manjanga. Le poulet, les manjanga. Égoussi. Mais j'aime plutôt le. Je n'ai pas mis les épinards de mais écoute, j'ai mis uniquement le zoom du Cameroun. Allez, mon gari. Regardez. Ha! Et vous aussi, avec le pistache du Cameroun. Bon, il y a une autre tournée de Porc Epic qui arrive dans 2 semaines. Donc, ceux qui voudront le Porc Epic, parce que moi, j'en ai plus pour moi, les gens, c'est fini. Comme le monsieur revient encore, il va amener Porc Epic. C'est le pistache du Cameroun qui est fait là. Et vous aussi, soupe, avec l'huile de palme. Le manjanga. Non, le bifara. Et vous aussi. Les j'aime les épinards. Moi, maintenant, les épinards, mais j'aime le zoom du Cameroun. Voici les trucs. Mais je n'avais pas les peaux de beau jus, mais c'est pas grave. Mettez bon appétit, balata. Et vous aussi, soupe. Écrivez bon appétit. Ah, merci beaucoup, Félix, ou là-bas. Quel est bon appétit. Ah. La poule. La poule fumée. Je mange seul, non, maman, une place à chacun. Après la bébé. Tu peux mettre la poule de bœuf, parce qu'on fait, maman n'a pas voulu faire tout ça. Ta poule, c'est mieux. C'est quand même bon appétit. Et vous, si c'est pas le gari. C'est le gari blanc, maman, il met un peu de pain. Et vous, si. Hé, hey, balata! Mmh, mmh.
Les serviettes. Quand tu travailles, tu peux te permettre tout, hein. Coucou, hey, ma quoi, monsieur, toi, hein. Tu m'appelles plus, hein. Je vais appeler mon beau. Tu vas bien te fouetter. Tu connais mon beau, non? Il va bien te fouetter. Donc, bon appétit. Écrivez-moi bon appétit d'abord pour commencer. Patience, Gaël Mendouga, maman, les mangeuses actrices déjà. Je vous vois, hein. Ici, tout le monde est la bienvenue. Il a égaré, coucou. Ça fait très longtemps. Venez. Oui, tu commences ici à la soeur. Oui, tu comprends. Cachère, c'est ma soeur. C'est ma soeur d'une autre mère que nos familles se connaissent et tout. C'est ma soeur Cachère. Le page de dos, je casse les pieds et pète. Elle me connaît très bien. Moi, elle ne mange pas beaucoup. Au contraire, elle aime quand je suis à côté d'elle. J'adore cuisiner. Quand je me cuisine trop bien, c'est une cuistot. Alors, il faut que nous disions de venir. Mon ami aussi a vu que. Mais c'est moi aussi qui l'a devenu chita de Dieu. Emporté parce que moi. La carte de travail, c'est bien. Allô? Quand tu vas m'appeler, appelle-moi sur le téléphone si. Je n'ai pas mis le haut-parleur parce que sur l'autre téléphone, je suis directement mon. Maman, mon zoom. Ok. Tu m'appelles ici alors, tout à l'heure. Tu as l'adresse, non? Attends, alors, tu viens ramasser tes pots de. Non, il y a la peau de bille, il y a les serviettes, la peau. Bon, tout ce que tu as vu là, tu vas venir chercher ça. Tout à l'heure, bisous, bisous. Voilà. Bon, moi, c'est affaire. Moi, c'est. Mon bébé qui vient pas la nourriture. Ah oui! Donc, vous pensez que ma tête est célibataire? Wow! Alors, tout à l'heure, en me temps perdu, je rentre à 17h. Et le chien, s'il veut jouer. Mais tu veux jouer à tête dans les friandises. Attendez, la lutte veut jouer. Bon. Comme il mange là, il y a le piment dedans. Pas le donner, il y a le piment. Je donne les friandises des chiens là. Il coupe pas deux. On va manger les friandises des chiens. J'achète à Lidl. C'est la marque Orlando. Donc, garde ma part. Ok. Je vais mettre au congélateur. Donc, je suis rentré à 17h et j'ai même vu ma soeur Cachal qui est là au téléphone. On a causé. On s'est même vu en vrai. Et j'ai trouvé que ma pépé faisait fort. Parce que le direct là, ça badait. Ça tapait fort. Moi, je me suis dit que, hé, qui est. Après l'ouragan, je le dis, après l'ouragan, encore qui est encore. Parce qu'il y a l'ouragan de la soirée et l'ouragan de la, du restaurant. Il y a encore quel ouragan encore. Dieu merci. Le direct s'est bien passé. Ça parlait que des projets. Parce que des fois, pas là, tu n'aimes pas son mettre sans son nez, sans certaines choses. Parce que des fois, il n'aime pas quand il y a trop de turbulence. Voilà ma nourriture. Le temps que j'ai cuisiné, j'ai bien dormi. Regardez mon plat. J'ai regardé, maman m'écoute, j'ai le chevreuil, comme ma copine, son mari est chasseur aussi, j'ai le chevreuil, j'ai le sanglier, j'ai le porc épic fumé, j'ai le pistache, j'ai le poisson fumé, j'ai tout même le foufou du bonheur, même j'ai tout. Hey! Donc vous voyez que ma vie douce, même mon tenja, même comme c'est dans, il n'y a pas filicata. Donc, je me suis dit que qu'est-ce que ça se mettait l'école, écrivez Good Life et mettez bon appétit. Vous ne me regardez pas là sans mettre bon appétit quand même. Donc, c'est comme ça que je me suis dit que qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qu'il y a? Je me rends compte que je pars, je reste là-bas, je vois que ma pépé, il n'y avait pas de mots forts, il n'y avait pas de clash. Ils ont dit, ah, j'ai partagé parce que quand c'est vous, il faut partager. Moi, mais Dieu t'a cassé que le mois prochain, dès que je vais toucher ma paye, je vais mettre ma contribution encore. Je vais mettre la contribution à la dedans. Parce que quand c'est beau, apprécions-nous, non, maman. Moi, c'est pas dans un petit mot. Marlise et Bumbo, comment tu vas? Merci beaucoup. Je ne suis pas moi dans un petit. Moi, quand c'est beau, j'apprécie. Vous me voyez partager tous les événements, les flyers, les ceci. Moi, je partage tout ce que je ne connais même pas. Moi, c'est au Cameroun qui gagne.
Donc, je dis ma chose que dès que touche ma paye, le mois prochain, je vais mettre ma part de cagnotte dedans. Même c'est 100 euros. C'est beaucoup, non? Si c'est 150 euros, on gagne à lui. Coucou, Jeanne Simon. Si c'est... Non, parce que moi, demandez même mon faux profil même qui me suivent là. Moi, je n'aime pas. Je vends sur les trucs, même soit pour les faux profils ici. Les faux profils même viennent soit chez moi, même ils mangent, on mange ensemble, ils dorment, même. Il y en a, demandez, ils vont vous dire que, à quoi il m'en fout. Bonsoir, Junior Chemo, comment tu vas voter de moi? Donc, je vais dire aussi, je suis là pour. Ah, coucou, Aurélie et Sommet. Balata, tu as pardon. J'ai préparé. Non, vous êtes d'accord, ici, les pommes sont bonnes. J'ai cuisiné. J'ai fait les goussis soupes. Avec les serviettes. Mais ça, c'est le pistache. Mais au lieu de mettre le. Au lieu de mettre les trucs de Nanja là qui met les épinards, moi, j'ai mis plutôt le. Je vais vous montrer la marmite, attendez. La sérénité. Parce que peut-être vous croyez que Marc, voilà, c'est ici, non? Voilà ça, non? Ah, comment il mélange tout d'air? Voici mon gari ici. Une place. Mon bébé vient chercher, mais mon bébé va manger, puis mon bébé va partir. Moi, je cuisine, non, ma. Coucou, Mireille, puis chérie, Ngaba. Eh, ma copine Amélie s'appelle Ngaba. Amélie de Chalon, comment tu vas, ma peau? Moi, je vais soutenir, nous sommes fatigués. Les problèmes ne servent à rien, pardon. Moi, franchement, je vais donner ce qu'elle fait. Moi, je soutiens toujours, maman. Mais j'ai vrai, Warriors, je vais t'inviter à la maison. Dis-moi ce que tu veux. Tu m'invites quand? Tu sais que devant, tu es ma belle-sœur. Ton mari est mon beau, est mon frère. Tu fais n'importe quoi, Michel Lesso. J'appelle mon beau. Tu comme tu connais comment mon beau est sévère. Coucou, mon balata. C'est comment avec. Oui, mais c'est. Non, moi, je vais donner ma part. Vous savez, moi, je ne me moque pas. Et je vais dire aussi au TK, c'est que le game, il y a le game. Personne ne va verser les cafards là-bas. On ramasse les cafards en route en bain. D'accord. Quand tu as mon numéro, on va se parler. Après, tu sais qu'on est voisins. Non, on n'est pas voisins, mais on n'est pas loin. Personne ne va mettre les cafards. Lui, moi, je l'encourage parce qu'au moins, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire, il y a des gens qui ne savent pas peut-être les métiers intellectuels, mais la cuisine, comment vous dire, même un sourd, même un malentendant, là, peut bien faire la cuisine. Parce que c'est pratique, c'est les mains. Et puis, c'est africain, tu sais qu'il faut mariner le poisson, ceci, il faut le héros. C'est pas compliqué. La seule formation qu'on demande, c'est le HAACP, un truc comme ça, je sais plus. C'est pour l'étude d'hygiène, là, c'est tout. Hein. Ça ne dit même pas, tu donnes le certificat, là. On te montre comment faire pour que ton restaurant soit dans les normes, c'est tout. Donc, mais tu vois, t'es cassé, qu'il n'y a pas. Personne ne va verser les cafards là-bas. C'est le game. C'est les paroles. Pour moi, ceux qui veulent soutenir, de ma part, soutenir. Moi, le mois prochain, je vais faire le direct en mettant l'argent dans la cagnotte moi-même. Avec ma carte bleue. Et vraiment très gentil, t'as pas. Oui, ami, tu sais, toi, tu es passé comme moi. Tu n'es pas dans l'intime, merci. Non, moi, j'encourage ce qui est beau. Bébé m'a perpétué ici. Moi, je vais mettre ma camionnette moi-même. Moi-même, mettre ma camionnette moi-même. Ah, tu sais, les abeilles, tant que vous n'hésitez pas à les casser, je vous laisse, vous venez vous jouer vos games ici. Lavez-vous ici entre vous. Mais ne venez pas me toucher. J'étais beaucoup balata. Le AACP. Merci. Parce que c'est la restauration. Jeanne Simo connaît ce qu'elle dit. C'est le HAACP. C'est ça. Vu que je fais la restauration, vous confirmez. Voilà ce qu'elle vous confirme. C'est vrai que ça qu'on demande. Même quand tu travailles dans la restauration, même moi-même, on te délivre une attestation du HAACP. C'est ça. Si tu maîtrises le nombre d'hygiène, c'est bon. Par exemple, chez nous, il ne faut pas avoir les ongles. Et si tu as les cheveux, il faut mettre le bonnet. Vous voyez, les trucs qu'on met là. Et il ne faut pas mettre les vernis. Il faut mettre les chaussures que tu seras plus à l'aise. Il faut pas. C'est beaucoup de petits, petits trucs, non? Je vous manque pas sur le HAACP. Je vous ai dit, parce que moi, je fais la restauration. Je ne vous parle pas parce que je ne maîtrise pas. C'est mon domaine. Est-ce qu'on peut même manger la restauration? Quelqu'un qui est dans un restaurant européen. Donc, ben, tu, je te donne beaucoup de bénédictions. Ça va aller.
tu ne seras plus mandiata. Tu vas aller travailler ton argent. Tes fans vont te donner. Ne te mets juste pas la pression que 2 mois. Une entreprise, ça ne va pas aussi vite. Parce qu'il faut prendre le local. Il faut déjà faire la formation de HACCP, mais ce n'est pas long. Tu fais ça, tu prends le local, le temps d'aller t'enregistrer à la chambre de commerce, parce qu'il faut bien avoir un bail, et le temps de faire ça, et après maintenant, tu pars maintenant chez Metro et tout ça, tu vois, bon, j'ai compris que tu as un comptable, c'est bien. Maintenant, avec ton numéro de CIRE, ça, tu peux même le faire sur Internet. Hein. Bon, si tu ne sais pas le faire, moi, je peux t'aider à le faire si tu veux. Donc, pour que tu aies un numéro de CIRE à la chambre de commerce, mais il faut déjà avoir le bail. Ne te mets pas la pression. Dès que tu as le bail, tu enregistres le bail à la chambre de commerce. Après, maintenant, tu as ce qu'on appelle le numéro de CIRE. Avec ce numéro-là, tu pars chez Metro, tu pars partout. Par contre, un conseil, il faut ouvrir un compte société. Le compte société, je te conseille d'ouvrir un compte en ligne. Parce qu'en ligne, tu vas payer moins cher. Bon, après, si tu as confiance à ton banquier comme moi, tu vas payer un peu plus cher, mais et tu seras trop taxé. Donc, soit tu ouvres chez ton banquier, mais tu auras une carte bleue et ils vont te donner l'appareil pour payer. Tous les paiements seront enregistrés, mais pour tes achats compresseurs, achète tout qui va avec la carte bleue de l'entreprise. Demande toujours qu'on te donne le reçu. Parce que, comme tu seras entrepreneur. Ah, Catherine Chou, Marco, comment tu vas, Marco? Comme tu seras entrepreneur, un truc comme ça, tu as droit, tout ce que tu vas acheter, que ce soit les boissons chez Metro, chez Leclerc, chez Auchan, partout, ce qui touche à ta société avec la carte bleue de l'entreprise, demande tous les reçus. Demande les reçus, parce qu'avec les reçus, on va te rembourser toute la TVA. Moi, j'étais marié une personne qui avait des entreprises. Donc, moi, je voyais comment ça se passait. Tout ce que tu vas payer avec ta carte, vu que tu as déclaré, tu peux déclarer. Et surtout, un restaurant doit toujours avoir la caméra. Bonsoir. Ma belle. Un commerce, même en France, surtout les trucs comme la restauration, doit toujours avoir la caméra et les normes d'hygiène. Parce que s'il y a une attaque, s'il y a un vol, la caméra va voir. C'est pas, tu passes chez Verissu, je crois que c'est Verissu, un truc comme ça. Il y a du quoi cher, je crois, ça doit être 150€ par mois. On t'installe les caméras, 150 ou 200€, je sais pas, un truc comme ça. Tu mets les caméras, tu mets à la cuisine, parce que s'il y a un truc qui se passe à la cuisine, on va voir qui a fait. S'il y a un truc qui se passe dans ta. On ne met pas dans les toilettes, non. On ne met pas dans les vestiaires, parce que c'est intime. Mais on met dans les parties comme les couloirs, tu mets peut-être dans le restaurant, devant à l'entrée. Parce qu'il faut qu'on voit l'entrée et du bas ou tout le truc. Tous les restaurants ont les caméras. Ça, il faut je pense à le faire. Ce n'est pas par rapport à tous les réseaux sociaux. C'est au cas où il y a un truc qui se passe. Bah, s'il y a peut-être le vol et autres, bah, écoute, les caméras vont détecter les qui ont fait n'importe quoi. Voilà, maintenant que tu fermes, puis les gens viennent voler. On va voir la caméra qui a pris. Voilà. Ça sera aussi une preuve pour toi pour te faire rembourser facilement par les assurances. Voilà. Donc, et quoi d'autre aussi? Tu dois acheter, tu ouvres ton compte. Parce que dès que tu as ton numéro de CIRE, ouvre un compte professionnel. Un compte professionnel, que ça, tu auras une carte bleue. La carte là, tu la gardes secrètement. Que ni ton doudou, ni Canaël, ni Noé, ni même tes amis sauront où c'est. Tu gardes ça loin. C'est la carte d'entreprise. Parce qu'une carte d'entreprise, une carte bleue d'entreprise, tout ce que tu vas payer, le comptable voit. Et tu l'amènes tous les reçus et les factures. Voilà. Et quoi d'autre encore? Tu as entendu que tu allais faire venir l'étude du Cameroun à l'étude. Bon, ça, en même temps, sur le concept africain. C'est une bonne chose, tu as beaucoup économisé. Mais de temps en temps, avec ta carte professionnelle, tu prends ton mari et si vous trouvez même un fourgon ou un camion à rendre, vous partez à Rungis. À Rungis, ils vendent les trucs en gros, les maquereaux en gros, les tilapia. Bon, après, avec votre carte de commerçant, mais il fallait très tôt en compte. Ou la veille, vous dormez là-bas. Oui, il faut aussi avoir les assurances. Bon, elle est obligée d'avoir les assurances. Oh, obligée. Assurance tout risque. Ça, compression ne joue pas avec les assurances. Assurance, tu dois le faire parce que voilà. Moi, le mois prochain, il faut le direct.
Je vais mettre Aka, même si elle ne m'a pas là-bas, parce que j'ai vu que vous avez accepté. Je n'ai pas encore bombardé encore. Je dis, bon, voilà l'exemple comment me donne. Parce que je ne suis pas entrepreneur, mais un jour, Dieu peut me bénir. Si elle peut, j'ai à manger, bu avec elle. Si compris ça, peut elle-même aussi manger derrière sa cagnotte, pas sa cagnotte, derrière son restaurant et être indépendant. C'est bien. Moi, merci pour moi, Bala Thomas, de l'an pour mon anniversaire. Qui m'a boycotté? Laissez son litige, laissez son PayPal. Donc, je vous invite, bon Dieu, je ne vois pas que c'est signalé. Ne touchez pas son truc, parce que c'est un gain pain qu'elle avait fait. Laissez. Voilà. C'est ce que vous laissez en vous dire. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je mange mes serviettes devant vous. Voilà, c'est ici. Est-ce que c'est comme vous avez les goûts ici? J'aime le goût de mandjanga, les crevettes qu'il y a dedans. Les mandjanga, elle est plus fatale. Avec lui, le pain. Donc, n'écoutez pas ce que les gens vont dire là que vous. Oh, il y aura les cafards, c'est fou. Ah, c'est le game. Ils vont vous dire ce qu'ils veulent et vous allez croire ça. C'est le game. On ramasse des cafards en route. Même si tu ramasses des cafards, tu mets dans un sachet. Ça va pas mourir dehors. Car le foie vient dehors. Comme ça, qu'elle vient sur la Rouen, elle vient sur la station Ngossa. Ngossa bar. Bonsoir, Sally Koné. Merci beaucoup. Il vient danser en gros, ça pète, tu bats. C'est ça qu'il s'agit. Et je vais encore faire quoi? Tac, tac, tac. Aïe, Fleur de Lille. Il va dire au Cameroun aussi que quand on mise l'argent, faire l'événement, ce n'est pas facile. Fleur a misé de l'argent. Et elle a misé beaucoup d'argent. Quand vous partez dans les soirées des gens, il faut comprendre que si ça ne va plus, c'est qu'il y avait un problème. L'année dernière, c'est bien passé. Vous ne connaissez pas la pression qu'une personne qui... Déjà, elle est d'abord propriétaire d'abord d'un restaurant ou bien propriétaire d'abord d'un kebab. Bon, laissons même tout ça. Moi d'abord, la pression que doit servir combien de personnes par jour? Mais imagine quand tu fais un truc comme ça. L'ouragan avait plus du monde que Coco Château-Bruxelles. Ouais, même Château-Bellinga depuis. Peut-être le manière a fui depuis. L'ouragan, Flo a eu son argent. Oui, elle a remboursé beaucoup de personnes qu'on a entendues. On a mangé. On mange. Ok, je mange les gouttes. Non, finis d'abord. Ça ne doit pas être une moquerie, ça doit même être un truc acclamé. Parce que si elle avait compté 135 ou 137 tables, elle lui a vendu que 120 tables et elle a réussi à remplir le monde, acceptant que quelque part, elle a réussi sa soirée. Parce que le but d'une soirée, c'est que l'argent entre. De fois, faisons les games tranquillement, laissons, ne touchons pas ce qui est. Surtout que, bon, voilà, vous savez à quoi d'aimer les organes des morts où. Vous savez comment j'aime bien ces femmes-là? Moi, je viens sur les défendre quand on les attaque, même en fou. Impartial, j'avais pas le temps. Je touche ton commerce quand tu touches à une personne que j'aime. Je m'en fiche. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais dire à Flore, par exemple, que je n'ai jamais fait dans l'événementiel, mais j'entends souvent les dames ici à Paris qui font les. Dans les réunions, où il y a juste les femmes dans les grandes dames de Paris là, qui font les soirées. Si tu prends par exemple. Je ne vais pas travailler mon argent sous le foie pour financer une... Tu viens se... N'importe quoi. Quand on finance pour vos stars, ce n'est pas les paresseuses. Elles travaillent dans quoi? N'importe quoi. Dans un gros atelier, c'est la paresseuse. Vos stars travaillent dans quoi? Disons-nous la vérité vivante, c'est moi qui travaille. Normalement, je ne travaille pas, maintenant je travaille. Ne dis pas que vous... Elles travaillent dans quoi? Travail veut dire que chaque mois on te prélève à la source. Elle travaille dans quoi? Dans un gros sacré, la seule mangiang, tu maman. Moi je suis mangiang, non? Regardez mes lèvres. Donc, je vais dire à.
aux gens qui disent que oui, Flo... non, Flo n'a pas raté son événement. Le but, c'est qu'elle a vendu cette table. Mais la prochaine fois, il faut souvent qu'elle soit plus organisée. Bah, c'est vrai que ce sont ses débuts. Vous ne pouvez même pas la lapider, mais vous la lapidez par rapport à quoi? Quelqu'un commence à dire au début. Flo, prépare-toi que des fois, ce sont les grandes personnes des soirées là. Les grandes personnes des soirées, parce qu'il y a la sorcellerie dans l'événementiel. Et quand tu veux faire des trucs, je veux dire un conseil, parce que je ne parle pas de toi, mais je vais vous dire, beaucoup de, parce que les promoteurs aiment souvent vous mentir. Beaucoup de promoteurs ici à Paris, parce que moi j'ai grandi à Paris, je connais ce que c'est les soirées ici, sans le faire. Beaucoup fonctionnent avec le tcha-tcha. Mettez les queues, écoutez, écrivez Good Life. Je vous dis ça. Ici à Paris, on me manque parce que le truc se passe à Paris. No, ma. Coucou François Belga. Beaucoup fonctionnent à Paris avec le tcha-tcha. Ça veut dire que je veux pas les deux époques quand on sortait les soirées ou les bas biblos ou les bas ceci ou les bas cela ou les bas ceci ou les bas. On n'est pas parti dans quelle soirée ici, maman. Moi, j'aimais sortir et j'avais l'argent. Est-ce que je vous parle de Mano Warriors? On se tamponnait avec les Evadas, même les Diva Joel Brown. Je la tamponnais sur le même au Kilimanjaro. Moi, j'en sais mes choses. Miri, on avait chacun nos champagnes. Il y avait l'argent quoi à Paris, maman, Nahua. Ouais, oh là le belay. Je te laisse combattre, c'est le TKC. Donc, beaucoup fonctionnent avec le tchat. Le tchat, ça ne marche plus. Non. Ça marche occasionnellement. Merci pour le good life, Marco. Chantal et Belinga, il faut pas les voir. Les abeilles ne me dérangent même pas sans les mettre. À qui me dérange là pour commencer? Moi-même, je me dérange même celle-là. Le tchat, ça ne marche plus. C'est bien que quand tu veux faire ton événement maintenant à Paris, tu déclares, parce que beaucoup déclarent les événements là comme les... Je vous dis la vérité, beaucoup se cachent derrière les associations caritatives pour déclarer la préfecture. Ça les couvre, c'est vrai, mais c'est déclaré souvent la plupart sur 100 événements, 90 sont déclarés que... Pas 90, quelques événements sont déclarés que pas des trucs africains. Sont déclarés, ce sont les trucs caritatifs. Les œuvres humanitaires, les CCI, associations, ceci... C'est là que oui, c'est pour collecter les fonds. Oui, moi je connais ce que je parle. Est-ce que je vous manque alors? Vous-même, vous qui êtes là, est-ce que je manque? Bon, on compare entre nous. Tant que ça se passe bien, je ne parle pas de vous. Vous dites, moi, ça se passe à Paris. Ça se passait. Le tcha-tcha ne donne plus. Si tu as la chance que. Si tu veux prendre le tcha-tcha, si tu as mis 150 places, 150 tables. Commence à faire que les gens du tcha-tcha te livrent même 100 bouteilles de ruina tous les mois. Et tu peux au fur et à mesure. Comme ça, tu sauras qu'à la dernière minute, là, s'il n'y a pas tout ça, tu pars comme chez Métro, avec ta carte d'entrepreneur, tu prends. Et puis, tu te fais rembourser ta TVA. Tu fais tes trucs avant. Comme ça, il y aura la boisson. Ce qui est sur une soirée remplie, ne tape pas poteau. Vous comprenez, non? Donc, pour ce côté, il faut mettre bravo, Mafou. Mafou est forte. Elle a rempli. Il n'y a pas de honte dans ça. Elle l'a rempli. Et elle soyez que tu entres, il n'y a pas de gens. Mais oui, vous soyez que tu entres, il n'y a personne. Mais c'est qui? Il y a qui? C'est ce côté, Mafou, bravo. Et puis, Mafou, il faut savoir que les gens vont te jalouser. Les gens vont te jalouser ici dans le milieu du showbiz. Là. Tu entres dans tout cas. Maman, j'espère que ce n'est pas le virtuel. Oh. Le virtuel, c'est les réseaux sociaux. Tu vas venir parler à l'aise, il n'y aura rien. C'est que les paroles ou la bouche. Sois katangais. Katakata. Parce que dans ce milieu-là. Donc, toi, tu sors de l'île. Tu vas venir concurrencer avec les gens. Les vieilles chouettes de Paris. Et toi qui? En tout cas, c'est qu'on fait un bon cœur, Dieu bénit toujours. C'est parce que quand vous voulez que tout aille bien, ne gâtez pas aussi pour les autres. Voilà. Ça a réussi. Elle n'a pas tapé pour tout. Ne cherchez pas à dire que oh, telle a porté une laide robe, telle a porté un mauvais habit. Dites que la soirée a tapé poteau, oui ou non. C'est ça le vrai décryptage. Et même les instituts, toute la belle chez eux.
Aucune n'a même la caméra sur moi, elle m'appelle tous ma cour. Aucune. Moi, je parle. Donc, pour moi, les deux exemples sur la toile, Flo, la première, parce qu'elle est sortie de Clash. Bon, sortie, elle peut, aucune n'est pas sortie de Clash, c'est faux. C'est le dit. Moi, j'aime ce qu'elle pense, man. Et bon, elle veut plus être dans la boue, on va dire. Et, mais elle est dans l'événementiel. Ça a félicité. Oui, sortie de Clash. Bon, oui, parce que c'était comme une cam avant, hein. C'était les pipi, allez, c'était chaud, hein. Une comme cam ne laissait pas, hein. Ça a félicité. Je préfère me la soutenir plus même dans ces événements, ces soirées-là, parce que au moins, c'est un truc noble et elle paie les impôts dessus, c'est à elle. Bon, c'est tout qu'on l'invite partout, c'est bien, mais moi, il préfère plus se passer dans ses. Ça cotise même sa retraite. Si elle fait peut-être, elle déclare peut-être 40 000 euros, 30 000 euros de vendu. C'est comme quelqu'un qui travaille l'année. Moi, c'est comme peut-être mon salaire. Et il faut que tu gagnes 17 euros par mois. Hein. Lumière, c'est toi qui l'as derrière. Coucou. On mange le goûter. Parce que si elle déclare peut-être qu'elle a peut-être fait les chiffres d'affaires à 25 000. 25 000 euros. Et quand même, bon, c'est tout, sur qu'on gâte tout un peu. C'est comme quelqu'un qui travaille peut-être pour 2 000, je sais pas moi, 2 000 et poussé d'euros. Donc, ça fait que c'est comme si elle cotisait sa retraite. Ben, tu payes les impôts. Maintenant, je félicite aussi Compresso. Moi, je félicite Compresso parce que moi, j'aime beaucoup Compresso aussi. Depuis que Compresso fait ses oh yes, oh. Je suis déjà dans le noir, j'ai resté dans le noir dans les insultes, c'était avant. Après, les doudous, les gazounets, gagous, tout ça, c'était beau, on voyait comme ça, puis on passait, bon, mes parents comprennent ça, c'est quand même un truc qu'on va jamais oublier. Les œuvres humanitaires. Moi, j'aime dire ce que je vois, parce que, après ce que vous pensez, mais m'en fous même, pardon. Les œuvres humanitaires de ma pépé. Mettez, écrivez good life, vous signalez mon bien, maman. On a déjà parlé bien ici, on a parlé quoi mal ici. Eh, hey, écrivez good life. Il y avait, elle a fait l'étude humanitaire. C'était bien, mais c'était humanitaire. Là, je n'étais même pas trop dans cette humanitaire. J'avais cotisé qu'une seule fois dans le PayPal. Dans le Stacko Nietzsche à l'époque, même, il n'y avait même pas PayPal. Il y a 250 euros. Mais, pour le tout aussi, comme c'est un projet professionnel, les stars aussi, on le doit aussi de vivre de leur passion. Moi, je vous ai demandé une fois que aidez-moi à ouvrir mon réseau. D'ailleurs, mais qui me connaît? Hé, hey, balata! Papa, la 111, combien? 71 ans. J'ai perso aujourd'hui, maman. Les goussis! J'ai dit que maman, la serviette. Mais mon bébé vient manger. Ouais, j'aime le manjang, le bifara comme ça. Donc, maintenant, aujourd'hui, merci Chantou pour Bruxelles. Aujourd'hui, elle veut ouvrir un restaurant. Sans projet pro. Les stars, les amants chic, même les fans qui leur donnent, même si elle a seulement 5 fans, tu dis ce qu'ils veulent l'aider. Et c'est même qui veut aussi l'aider. C'est une Camerounaise, non? J'ai mal à goûter. Elle s'est fait la boule, hein. Il n'y a pas mordant. Il n'y a même pas que ça me se moquer d'elle. Elle demande à ses fans. Moi, c'est pas, t'es cassé. Mais les fans, tout là, son PayPal. Je crois même qu'elle va l'appeler même pour qu'elle me donne son PayPal. Merci beaucoup. Hollande et Belém. Je vais entrer dans son PayPal. Elle va l'appeler pour qu'elle me donne son PayPal. C'est la PayPal. Pour. Mettre quelque chose dans la vie, moi aussi balata, les gens me soutiennent. Ah non, à partir des gens, vous me connaissez. À partir des gens, balata, mais fait ça. Je vais faire mon anniversaire en bois de mérite. Je mérite autant de nourriture. Patricia, yo, bonsoir balata, et bon, merci beaucoup.
Essaye de dire que à partir de mi-janvier, Balata ne fait ça en boîte de nuit. C'est elle va me inviter des la petite, des stars, on parle en boîte, autour si c'est Miri. Elle met mon gâteau. Donc, voilà, ça a félicité. Donc, maintenant, si Lolo aussi vient maintenant nous dire aujourd'hui qu'elle veut peut-être ouvrir peut-être un truc du make-up ou du maquillage ou je sais pas quoi, ou elle peut-être ouvrir peut-être un truc pour faire peut-être, je sais pas, une. Les gens, je pense qu'elle n'est pas là. Non, moi, c'est la nourriture. Moi, elle pourrait pas. Tu vous savez que vous pouvez vivre une société ici en France avec deux camions. Pas la prostitution, hein. Oui, moi, je travaille, ok. dans la prostitution, pas la prostitution, tu peux acheter deux camions, tu enregistres seulement ton, même ton garage ou ton parking. Comme, tu sais, c'est dans une maison, tu peux enregistrer comme ton local. Tu mets deux personnes, déménageurs, ça donne beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup. On est en Europe, non. Mais le travail, c'est les 10 doigts. Moi, mon travail actuellement, là, je travaille un peu. Donné chez moi. Stella, elle m'a déjà soutenu. Qui ici? Toi, on a vu. La femme, c'est ça. On a atterri ici. Que relève-vous là-bas, les 3-4e, vous êtes bagarrez-vous. Non. Non, mais vous savez que vous en même temps, s'il faut dire la vérité, moi, j'étais chômeur, on était tous des chômeurs. Maintenant, moi, je suis plus chômeur. Moi, je travaille, j'ai une paye. Donc, ce qui est sûr, c'est que même si ce n'est pas la banque, c'est juste solvable. Mais bien sûr, moi, j'ai une fiche de paye, puis j'ai ça en CDI. N'est-ce pas, ça fait longtemps que tu as atterri ici. Un jour, je suis venu vous dire que Balata est fatigué de travailler pour les gens. Je veux ouvrir mon restaurant. Vous êtes aussi venu plus haut, le litchi. Mais comme je ne suis pas quelqu'un de haineux, vous n'avez pas me cotiser beaucoup. C'est les gens qui m'aiment, comme les bibiches blondes, et beaucoup, hein. Même, il y avait une de l'Omaïa, on a même refait l'appel, Loretta Vom. Loretta Vom, pardon. Et chez les abeilles, ouh, les abeilles, il y en a beaucoup quand même. Non, pour dire vrai, mais écoute, les abeilles, en fait, les abeilles, non, vous m'avez même tous compris, même. Dites que, mais écoute, je suis en surpris. Surtout quand c'est mon anniversaire. Balata. Moi je ne demande pas, mais mon anniversaire de février, ça me dit que voilà ceci ici est et je suis de là. C'est mon contribution. Va là-bas. Hey, joyeux anniversaire ou Warios. J'ai oublié Bolingo. Maman, vous mettez écrivez joyeux anniversaire Warios. La veuve joyeuse. Ouh, je vais l'envoyer la PCS. La veuve joyeuse. Je vais dire à mon bébé, non, c'est Nganda. Attends. Nganda, même pas Nganda. Nganda joyeuse. Hi, ne quittez pas le côté. Emma, Asma, comment tu vas? Hey, j'ai oublié joyeuse. Allô. Allô. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Bolingo. Tu as monté à Paris. Oui, j'arrive à Paris. Ah, tu viens d'arriver. Ah, d'accord, moi je suis en direct. Je viens de penser à toi là maintenant quand tu as des palais manger, mais du manger. Je dis que il va faire la danse demain. Demain à 14h, non, à 15h je danse. D'accord. Bon, les gars, 15h demain, 15h, 16h je vais danser. Il faut que je me cherche un beau petit string avec le cola. Demain. D'accord, il sera là. Ok, demain, Warios. Bisous. Okay, merci. Maman, moi c'est pour quelqu'un, hein, maman. Et Dieu m'ouvre beaucoup les portes, mes cotas. Parce que moi, je suis pas moi, je n'ai pas mal la haine. Si tu vois Balata venir parler, c'est quoi la provoquer? Balata, sur cette
c'était un nul n'est à l'abri. Quand il y a quelque chose sur la toile, que chacun donne sa part de contre, mais celle-là ne fait jamais épaisse. Bâtez que j'avais les tégas. Hey, c'est là. Les abeilles vont atterrir ici. Non. Moi, je vais donner. Donc, demain, dans ces mirilles. Donc, demain, ben, ça dépend. Dès que vous annoncez que dans une heure, je m'achète un beau pichon collant loin là-bas. Sexy. Dans ce... Vous êtes dans la toile. À la base, dans la toile. À la base, dans la toile. C'est Perpétu. Non, quand on laisse Facebook, Perpétu, Warriors et Lolo, Joël Brown, que moi je connais. Le reste, moi je ne connais pas. Donc, ça avait la toile que bon, voilà, voilà, parce que nous on était à Paris. Et bah, Asba, Corélé, les TK, je venais vous curler ici. J'aime quand vous curlez ici. Où est paisible la femme? La nouvelle star de l'heure. Elle insulte soi. Oh non, vous faites pour rire. Non, franchement, c'est mignon. C'est mignon parce que au moins on rigole, mais au fond, je vois pas un Camerounais qui va tuer l'autre. Hein. Voilà, t'as bien mangé. Mon bébé finit à quelle heure? Enfin, j'appelle mon bébé un peu, attendez. J'appelle mon bébé pour savoir. Moi, je suis une personne. Parce que mon bébé a envie de manger. C'est manger, je ne travaille pas demain. Mais écoute, si dans la toile, quelqu'un peut taper la porte. Balata travaille. Oui. Non, moi, j'aime quand vous curlez ici chez moi. Les TK, les abeilles. Ici. Vous avez le sale au bout. Quand je me lève, je vois faire mon commentaire sur mon derrière. Quand les filles à vous là-bas arrivent, avant les cristal de Monaco, je vois les Emma Asma tête, non, vous ne les cadres, il faut profiter. Comme vous savez que vous avez compris mon système, que alors ce barrage, je balata, mais ne touchons pas, je suis vers où, non, ici. J'appelle mon bébé pour savoir mon bébé. Oh, mon bébé. Ayop, ayop. Oui, c'est bon, tu as fini. Ok, tu descends alors, tu prends la 14 alors à la bibliothèque. D'accord, ok. Bah écoute, tu m'appelles quand tu es en bas alors. À tout. Donc. Ouh, balata. Je contribuable. Avant, je ne travaillais pas, comme vous l'avez dit. Là, quelqu'un pouvait parler que je ne travaillais pas. Namou. Si on parle à la banque, qui serait solvable, c'est moi. Si je veux, même aujourd'hui, même prendre la consommation, on me donne. Pas vous, pas le travail. Ce n'est pas beaucoup, hein. Des fois, 1500, des fois, 1600. Non, moi je vais cotiser pour elle. Je vais cotiser, mais pas bon. Je ne gagne pas grand chose. Hein. Même ces 200, même ces 100, c'est qu'elle donne. Non, arrêtez les yeux de TKC aussi. Si. Bon, en tout cas, comme si vous avez les faux profils, moi je soutiens. Je vais faire le direct quand je serai payé le mois prochain. Le 15, bon, vous avez les factures passent. Le mois prochain, dès que je suis payé, je fais un direct où je vais vous montrer l'exemple comment cotiser dans une. Je pense qu'il met directement dans son Pélip. Un Pélip de banque à banque, c'est plus facile. Si ça est son numéro, mais elle fait Pélip. Elle mérite. Il faut dire que quand elle va travailler, vous l'appelez Mandiata. Vous l'appelez feignante. Maintenant, si elle fait un projet, comment vous l'aidez? Et donc là, non, maman. Maman, on peut mettre de AB, on peut dire sur TKC. On peut sur le maman. Moi, je suis tout, maman. Mon bébé, elle est normie comme ça. Le fiat. Hey, mes fiancés, maman. Vous allez voir la balle ici, deux mains comme ça. Je vais s'en monter deux mains comme ça. Mais il est mal.
Ouh, personne n'a mis les étoiles. Comme il parle de Ngosa. J'ai mis le cap. Comme c'est Ngosa, un cancan, personne n'a les étoiles. C'est pour vous là-bas. Je travaille. Maman, ma serviette. Quand tu travailles la semaine, tu travailles 5 jours comme ça. Hein. Le corps. Parce que j'ai fait déjà fait des longues journées. Hein. Avec beaucoup d'heures sup. Donc j'ai 2 jours. Dimanche, je ne travaille pas. On veut le mari de quelqu'un. Fichement, putain, quoi, les voleuses de mari. Là, on en venait. Bon, fait rire. Hein. Même les femmes seules sont des entrepreneurs. Les entrepreneuses. Mais les femmes qui n'ont pas de mari. Ont les boulots. Ah ben, les femmes seules, que les hommes sont partis, ont les situations financières stables. Au lieu de. C'est parce que je comprends ça au monde du travail. Vous perdez votre temps à parler des banzizi qui ne vous apportent rien, alors que dans la vraie vie. Mais, moi, j'ai ma cousine qui est infirmière. Elle te dit clairement qu'elle ne veut plus se remarier, elle s'est mariée avec elle. Elle a accouché son enfant pour elle, son dernier joujou. Elle se lève le matin, part. Elle commence à 9h, elle finit à 21h. Vous voyez les longues journées. Elle est bien pire. Mais quand je vous vois, vous êtes même que j'ai des benguis. En ben, on parle encore de Bangala, maman. Laissez-nous à Tatiana ici. Elle a même eu hier. Laissez-nous à Tatiana. Vous avez mis tout le nom de Tatiana. Quand vous avez commenté au nom de Tatiana, à quoi m'insulte Tatiana pour rien? Pourtant, elle ne connaît rien. Allez, toi, donc, pardon, Orlando et Bélé. Tu peux commenter tout ce que tu veux. Tu n'es pas compris, fais comme tu veux. Parce que les asthma, ils m'ont te corriger avec les stélèges, stélèges, jumeaux. Laisse le nom de Tatiana ici. Parce que après, quand vous avez dit Tatiana ici. Les faux profils ici vont me filer, ils vont des cas. Mais je vous adore. Dès que quand je finis comme ça, mes quotas. Ouais. Elle va voulait rigoler le comportement de Emma Asma. Ça a traversé ici. Ouais, Kikele. Vous comptez bien que même il y a des gens qui ont fait même 50 ans et n'ont rien fait. D'autres viennent même en, deux, en un, ils ont fait d'autres. Toi-même qui écris là, tu es sûr qu'en 25 ans, tu auras ce qu'elle a eu. Vous devez compter bien. Si vous attendez les arrivistes. Ouais, ça traverse la petite gauche, mes côtés. Vous les faites, vous faites à pleurer, vous êtes des cas. Moi, je vais cotiser, je vous dis. Donc, j'étais content, j'ai que j'ai 2 jours. Ha! Ay, mon bébé au chaud. Mon bébé a mangé là. Apprends donc. Bon, Ténébrita est là-bas. Mais Ténébrita, tu me regardes tout de suite. Il y a mon chien Ténébrita qui me regarde comme ça. Je suis venu dire bonjour. Ténébrita, viens. Mais toi, il faut que tu t'amènes sur les toilettes. Ah oui, sinon, tu as bien lavé. Ah, c'est moi, tu sens bon comme ça. Sinon, tu as lavé, caché, ça bosse. Un chien que tu. Vas-y, Ténébrita. Ténébrita, je veux que sinon, elle avait lavé. Sinon, elle avait lavé. Et caché, elle a bossé. Elle est noire comme ça, comme le serpent. Tu es comme le démon. Ténébrita! Ah ben, arrête-toi, tu le gars. Attends. Allez, vas-y, mon chien, pardon. Tu aimes trop les talents. Télébrita! Télébrita! Attends. Voilà. Télébrita a 7 ans. Il a 7 ans le 5 octobre. Eh, tu as vu, Télébrita. Et toi, il y a 2 mois. Mais tu es content parce que tu t'entretiens bien aussi, Télébrita. Bon, les amis, demain, on va danser pour Warriors. Il faut que je sois en collant avec une belle tenue. Il me faut un chapeau. Après, je vais mettre le rouge à lèvres et faire danser. Miri! Miri! Demain, on va danser. Je ne sais pas à quelle heure, parce que comme mon bébé aussi vient aujourd'hui. Parce que comme mon bébé va venir tout à l'heure là. Je ne sais pas si mon bébé va rester jusqu'à dimanche. Je ne sais pas. Ça dépend. Mais je vais vous annoncer. Tu vas vous écouter qui vous êtes qui?
Vous avez voté, vous pouvez faire quelque chose là-dessus. Je mange chez vous, maman. Tu vois, quand la chienne, oh, là, les belles. Bah, la tati, côté à tes que vous êtes qui? C'est mon argent. Vous êtes qui? Tu cotises à quelqu'un qui met la nasse. Qui met sa carte et il lance. Oh, faut venir pour écouter. Vous devez pour écouter quoi? Vous allez faire, je mange, je fais les événements. Et là, vous regardez pas les gens si. Dans la tête, vous écoutez. Vous allez boycotter qui? Balatati Kouti. Il va cotiser. Non, bien, c'est votre argent. Regardez-moi ceci. Je vais cotiser. Bien. Vous allez boycotter quand je fais les restaurants. Voilà un bon sac. Vous êtes en train de boycotter. Quand Flo fait les événements, vous boycottez Flo. Non? Les autres boycottent Flo. Moi, je fais quoi? Hé hé. Non, bien. Montréal, c'est les blancs. C'est ça, les blancs, vous connaissez que. Même si je vous demande où je travaille, les blancs écoutent le Kourosa. C'est maintenant qu'elle devait nous bosser. Non. Non, arrêtez ça. Elle était bloquée maintenant, par contre. Je crois qu'on est qui est derrière le faux profil de Asma. De... Ah non, c'est pas elle. Ah, c'est Emma Asma. Elle est très turbulente. Quand vous la voyez atterrir ici avec les stylos de moi, c'est parce qu'il n'y a même pas l'air clos de la cam. Là, quand ils atterrissent, quand à l'époque, ils étaient écrits ça de Monaco, quand ils atterrissaient les filets ou la balle ici, quand ils atterrissaient entre eux, les fous, c'était souvent grave. Comme je ne l'ai pas annoncé, tant mieux. Parce que quand les fous ici et les folles atterrissent en direct, c'est les querelles. Maman. Pas la force, ma voix, soit. Bon, les amis, je vous aime. Hein. Le travail fait du bien, mes quotas. Le travail fait du bien haut. Hey, le travail fait que tu es bien haut. Le travail fait du bien haut. La mine même. Je ne sais pas quoi faire, je vais coiffer demain. Mais tu vois quand même que Balata, que le travail, se lever le matin, marcher, aller au boulot, tu rentres chez toi, la fin du mois. Balata ne cotise pas. Achète le chien, achète le gâteau. Attends. Balata ne cotise pas. Achète la nourriture de ton chien. Avec, s'il te plaît, achète le gâteau d'anniversaire de ton bébé. Avec cotisé. Donc, le travail, mes cotas. Quelle liberté financière. Et je travaille sans beaucoup d'heures aussi. Quand tu vas comme ça, tu es tranquille. Le travail fait du bien, ça se voit. Le travail, tout. Et j'ai trouvé un très bon travail. Ta mine a changé, ben oui, merci. Mettez les cœurs pour moi-même. Le travail. C'est pas, il faut qu'on encourage pas à avouer son raison pour travailler. Voilà Flore qui travaille avec elle fait les événements, non. C'est beaucoup d'argent, elle. Madeleine, ma jeté de tchat, comment tu vas, ma? Ça fait un moment, hein. Ah, même, tu ne fais pas beaucoup les dirots, tu sais. J'ai dit que je suis épanoui. Je fais beaucoup de. À la base, des fois, ça commence à 9h, finit à 17h. Mais des fois, finit à 21h. Parce que je fais les heures sup. Des fois, je te retrouve à 1800, 1900 de paye. Je dis ça, je ne parle pas de brut, je dis net. Dis ça, Angoussa. Pardon, laissez Angoussa, c'est tranquille. Donc, je vous dis que des fois, tu commences à 9h, tu dois finir à 17h. Moi, je te dis oui. Comme il y a les clients, la fille, la fille, parce que moi, je travaille dans un truc italien où on fait des. Produits du terroir italien, donc c'est la viande italienne, les pâtes, les ceci, les pizzas, les cela. Merci pour les good life de ceci, les vins italiens, voilà. Donc voilà, moi je vois ça beaucoup le presco là-bas. Et oui, Balata, le travail. Maman, hey, tu pars, c'est vrai que le matin, tu vas comme demain, va lâcher le café. Comme mon café est fini, je pense que les croissants en gros là, bon, si je l'ai là, après je chauffe un croissant. Je ne veux pas mon café, mon croissant pour donner l'énergie. Balata pour le métro. Mais qui y a? Je rentre dans le soir. Là. Je sors là-bas, t'es nébé. Il commence à 9h, mais 9h à 7h30. Je me lave. 8h, je promets mon chien. 10 minutes. Dès que le mène à la maison, il prend mon sac. Balata est à partir. J'arrive chez moi. Le travail t'épargne du Congo, ça. Des problèmes. Tu vois la différence. Les Africains, ce sont les
la racaille. Non, les milieux africains, c'est la racaille. Même si mes termes, vous mentez pas. C'est que quand tu es chez les blancs, où tu travailles, ils... Ouais, ça va, monsieur Raphaël? Oui, pardon, c'est Raphaël. Oui, toi, tu vas t'occuper de tel rang. Est-ce que tu peux demander à tel... Je vais pas donner le nom ici. À tel de préparer une table là-bas parce qu'il y a une à l'anniversaire, d'accord? Oui, mais Raphaël, mais par contre, l'après-midi, tu pars en cuisine, hein? Oui, c'est ça. Mais chez les Africains... Oh, sortez, oh! Oui, les cafons, en plus de ce quoi, ils travaillent sur Paris. Ben là, tu vas à Paris, la capitale de France. Tu dis que, hey, même quand on mange le midi, bah, pas le midi, maman, je fais 11h, vite fait pour entamer. Quand on mange. 15 ans, un petit pause, ça dépend d'autres qu'on prend à 14, d'autres prennent à... C'est 10 minutes de café juste pour. Après, paf, tu recommences encore. Maman, tu vois, ouais, mais tu sais, mon fils, mon mari, mais si. Ouais, mais tu sais que ma soeur, vas-y. Tu n'entends pas que. Sortez, oh, vélo, pipipi, hé, la racaille, tu as su mettre. Moi, tu n'as pas me parler fort, je vous manque pas. Je vous jure que le pouvoir de la fiche de paie, la fiche de paie dépasse le kaolo. Le kaolo, c'est quoi? Je suis consiste qu'elle est fête. Tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi? Attends, tu vas manger quoi? Oh! La fiche de paie dépasse le kaolo. Par exemple, même avec le séjour de 1 an, pour ceux qui annoncent ça, tu peux, si tu travailles tous les mois, ça va t'ouvrir les portes, parce que tu es crédible, tu es un valeureux travailleur. Mais si tu es français, tu ne travailles pas, ou tu es résident comme nous, si tu ne travailles pas, ça va te servir à quoi? Tu ne vaux rien, tu as assisté, on appelle ça assister. Tu vas mettre les restos du cœur. Si, tu es un pauvre, parce que le travail n'est pas pauvre, tu es un pauvre. Oh, mais c'est ma poitrine. Ma poitrine, mon con. C'est qui? C'est mon ami. Le travail, c'est l'assurance. Le travail, c'est une... Après, ce qui est bien, c'est que c'est une assurance en continuité. Ça veut dire qu'à ta retraite, tu vas manger toujours parce que tu as travaillé. Oui. Mais tu n'as pas travaillé à ta jeunesse. Tu vas dire que tu as marié quoi? Il y a un truc là qu'on leur donne ici, là, c'est 600 euros. Quand tu n'as pas très, c'est un peu l'équivalent du RSA des vieillards, là, des seniors. Là. Mais quand les balades, on les met 300. Ici, couché au Cameroun, on les met 200, 1300. C'est beaucoup d'argent en Afrique. Et maintenant, on a HLM. Et tu as vu. Tu ne peux rien faire. La langue, peut-être, avec les appels, 300. Les factures. Tu as envie vivre toute ta vie avec 150 euros pour manger le mois. Mais tu seras pauvre toute ta vie jusqu'à la mort. J'ai dit que je pars à la banque aujourd'hui. En décembre, là, ça va me faire 6 mois de boulot. Non, c'est en janvier. Je prouve ça à mon attestation d'employeur parce qu'on donne ça tous les mois. Mon contrat CDI. Mes fiches de paye. Je vais en crédit, on me donne. Mais c'est parce que je vais peut-être meubler ma maison, on me donne. C'est pas le ça, je ne fais pas le faux. Non, parce que c'est ça mes fiches de paye. Et puis maintenant, on prélève à la source. On prélève à la source. Donc, c'est un peu comme avant que si on ne prélève pas à la source. C'était avant, on disait tous les 12 mois. Dans ta fiche de paye, on enlève tes impôts. On appelle ça prélèvement. Bon, les Suisses ont commencé ça avant les Français. Prélèvement à la source, ça fait que ça ne te pèse pas. Quand il va peut-être, quand on te dit que oui, tu as peut-être travaillé pour 2800 millions, toi tu te retrouves à 1600 et quelques. Tu vois les prélèvements et les impôts, tout. Tu dis que mais tu es un valeureux. Les RSA, là, les gens qui vous parlent, les RSA, les aides de logement, là, c'est nous qui contribuons ça. Je peux y aller taper la partie. Les autres ont contribué pour moi, mais là, ils contribuent pour les autres. Vous parlez, les gens ont raté la vie en Bengue. Moi, je veux aller en Bengue. On ne travaille pas, mais là, c'est moi qui contribue pour eux. Les gens contribuent pour moi, c'est moi qui contribue pour les stars, maman. Vous sortez. Dans moi, j'en ai contribué pour moi. On est ensemble. Je suis plus jeune que vous tous. Et je viens comme là contribuer. Par le RSA,
Que vous mangez là, c'est moi qui contribue. Les allocations, c'est moi qui contribue. Mais j'ai percé. Mettez, écrivez Good Life, ne soyez pas jaloux. J'ai percé. Ouais. J'attends 72 mois. Bon, mais parce qu'il y a un ancêtre, je n'ai même pas me le demander. Même. Mais s'il y avait un ancêtre de demande, c'est solvable. Et je n'ai pas fait la position, mec. Je n'ai pas, moi, je n'ai même pas fait les gardes à vue, mec. J'ai un casier, je disais blanc. Coucou, Chibani, c'est comment? Et même qu'on peut dire la fatigue, c'est la fatigue. Mais mon ami, à quel niveau même? Oh, je suis amoureux, hein. Exemple. J'ai dit que. Le travail, la patrie. Il faut travailler. J'espère que tu t'es pas perdu. Hein. On a quel arrêt? Ok, bon. Ok, attends. Ah, tu es au métro. Hein. D'accord, ok, à tout. D'accord, ok. J'ai dit, comme je connais Tenebuta est parti s'asseoir seulement sur le. Regarde Tenebuta. Il est assis sur le fauteuil parce qu'il a entendu, il a entendu la voix de. Ouais. Il a entendu la voix de. Il a entendu la voix de Tenebuta. Il est parti s'asseoir. Tenebuta! Il est pas con là! Ténébreuse. Ouf, je vais dire que là, oui. Bikou. J'ai mis vendredi dans les étoiles vendredi. Maman Ténébrita est partie sauter sur le fauteuil de la chaise. Pas Ténébrita, t'as connu la voix. Comme la personne est à côté. Les animaux, elle. Adorable. J'aime trop mon chien. Adorable. N'est-ce pas zoophile comme Bertrand Chic souvent. Moi, je ne pique pas les animaux. Donc, je t'aime comme une mère aime l'enfant ou un père. Bon, une mère, par exemple, au cabaret. Kwandenge! Plein pas. Donc, Meko! On a bien mangé, maman, la viande fumée du pays où vous nous avez vu. Ténébreuse. Yes. Toi, tu comprends le français, mais alors que tu ne parles pas. Mais pourquoi tu ne parles pas? Il fallait me dire tout ce que William faisait. C'est quand William était ici, il fallait me dire tout ce que William faisait. Je lui versais l'eau chaude quand il dormait. Mais toi, tu ne parles pas au Ténébreuse. Même quand Raphaël me manque, là-bas, on fallait ça me dire que Raphaël manque. Mais moi, je ne parle pas. La cousine, bananga, venez. Le cabaret est joli. Regardez mon cabaret, maman. Nakoso bananga bébé. Il y a dit le travail, maman. Regardez, il y a plus le stress que le client a dit que il fallait sortir avec un homme que tu n'aimes pas ou une femme que tu n'aimes pas. Nakoso bananga bébé. Bébé, où c'est les Congolais? Bébé. Mes amis, na Asa, comment y a-t-il? Ada se nasi suti mvewe. Uname de Asda komo yasika. Mama. C'est mon beau-père qui m'a fait écouter ça parce que ma mère épouse un Congolais sans mec. Ma vie. Kaka li sou kali mbola di vewe. Voilà qui est joyeux. Je ne suis pas ma Edo. Ouais, écoute, t'as bon. Je vais pas assez longtemps. On va couper. Parce que j'ai eu Warriors. Elle m'a quand rentre à Paris là. Donc demain, il faut que je me lève bien. Il faut que je me lève bien demain. Pour danser le téléphone. Je mets le téléphone ici. Je mets comme ça, puis je vais danser bien. Parce que voilà. J'ai un collant noir qui en deux. J'ai un string. Je vais mettre le string rose. Un pamba, mais mettre la ficelle en haut. Oui, parce que c'est l'anniversaire quand même. Tout est permis.
Bon, à demain. Bisous, bisous.